Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 278 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Spliss. Spliss, comme vous le voyez. Et c'est un petit jeu, il est indépendant. Il est fait, je sais pas avec quoi. Enfin, il y a beaucoup de jeux auxquels je joue en ce moment qui sont faits avec Unity. Lui, je sais pas. En tout cas, ça date de 2012, comme je vois en bas. Et puis, j'ai pas eu le temps de jouer vraiment, j'ai fait un niveau. Vous allez voir, c'est un jeu puzzle. J'ai l'impression qu'on est dans la confection d'atomes, et, pas d'atomes, mais de molécules. Donc en gros, on est dans la science. Voilà. Donc ça se joue pas à la manette, donc vous allez entendre la manette qui se déconnecte. Et puis on va jouer, on va faire le niveau 1, comme je l'ai fait. Alors on est sur la Strand 101, 1 of 1, Spliss. Et donc vous essayez de mettre les choses comme ça, ça marche pas. Vous essayez de mettre ça comme ça, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, pour l'instant je ne sais pas. Voilà. Strand, donc j'imagine c'est une molécule, elle est assemblée, ou je sais pas ce que c'est. On va passer peut-être à l'étape numéro 2. Angelic, succès déverrouillé. Strand assembled. Pour l'instant rien de compliqué. Il y a sûrement une certaine logique à avoir. Ok, bah ouais. Ok, je l'ai assemblé, mais je sais pas pourquoi. Alors j'ai bien l'impression que si c'est une histoire de mouvement, si je me déplace les trucs comme ça... Si je chope lui, ça va pas. Lui, si je le chope comme ça... Non. Success exhausted. Donc il y a plusieurs moyens d'assembler les molécules. Mais je comprends pas trop comment ça marche en fait. Alors, admettons que je fasse un truc comme ça. Il y en a... Il en manque un quelque part, et je vois pas comment faire. Il doit y avoir certaines choses à respecter. Spliss exhausted. Voilà, je me pose des questions, comment ça marche. Ah, peut-être qu'ils vont m'expliquer. Exhausted. 1, moins 1 of 1, 0 of 1. Oui, il y a un few moves. Binary basique. Mutate hello. Drag and drop, scrub, timeline. Ça veut dire que si j'en clique sur un comme ça. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Spliss exhausted. Moins 16 of 1 spliss. 10, moins 17. Moins 18. Moins 19.
Ah, il faut que je recommence. 1 off 1. Ah, faut le faire en une fois. J'ai pas le droit de modifier plus que ça, en fait. 2 off 2. Ok, donc j'ai le droit qu'à deux mouvements pour réussir à remplir le truc. Un mouvement. Deux. Oui. Wouhou. Wow, c'est un fucking jeu avec une fucking logique que je ne comprends pas forcément. Alors lui, je le ramène là. Et lui, je le ramène... là. Non. Lui, je le ramène là. C'est bon. Je crois que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait. 2 of 2. Alors là, par exemple, je ramène lui ici. Oula. En fait, non, ça va pas le faire. Donc on revient en arrière. C'est what the fuck, on revient en arrière. Je ne comprends pas. On va prendre par exemple celui-là du coup. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Splice exhausted. Ok. 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 D'accord. Il fallait déplacer l'arbre entier et ensuite faire la séquence incomplète. Ouh, j'ai séquencé le premier. Ouh, séquence numéro 2. Ça rigole plus là. Est-ce que le logo est différent? Ah non, c'est juste pour faire joli. Mutate plus 3. Oh, et bah c'est parti, on va commencer le... Ok, j'ai cliqué, donc ça a dédoublé les trucs. Ok, donc c'est ce qui me semblait, on peut faire muter les gènes. Ça veut dire que si je fais ça... Non, si je fais... ça... et que je fais muter... ça ne sert à rien. Ok. Ok, ça sert à rien non plus. Ça non plus, ça sert à rien. Quand je prends lui, ça met l'autre en face. Je prends lui, ça met lui devant. Splice exhausted. Comment je fais pour supprimer lui? Je peux pas en enlever un? Faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse, comment ça peut marcher? Lui, si je le divise. Putain, je peux pas le ramener. Pète les couilles, je peux pas le toucher, lui. Sens. Alors, on est bien arrivé au niveau 2, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Si je prends lui, que je le mets au bout de lui. Ok, c'est bon. On y est arrivé, je suis content. C'est une fucking logique à avoir. Donc ça veut dire que si je prends lui, je le mets au bout de lui, et que je dédouble les deux, ça ne sert à rien. Si je prends lui... Non, ça sert à rien. Oui, il y a trois splices à faire. Là. Si je mets lui au bout de lui... Et que je mets lui au bout de lui, et que je splice. Et que je prends lui, et que je le mets là. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez compris le jeu? Oui. Moi aussi, j'ai compris. Sauf que c'est pas... C'est un jeu où il faut réfléchir à donf, dis donc. Qu'est-ce que c'est là? J'en ai deux splits à faire. Oui. Ça s'assemble, c'est trop beau ça quand ça s'assemble. Je sais pas ce que ça nous mène au final. Est-ce qu'on va faire un corps humain? Il se passe quoi? Si je prends le... Non. Non, c'est trop tard, j'aurais pas dû le faire maintenant. Si je prends lui... Et qu'on le met là... Qu'on dédouble... Et qu'on met... Merde. Oh merde! Alors, admettons que là je le prenne, que je le mette ici. Ah, si je dédouble maintenant, c'est trop tard. Ça, c'est trop tôt. Je peux en avoir jusqu'à 3. Compliqué. Oui. Oui, 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 oui. On dirait un bonhomme. Allez, on finit juste de ce niveau, cette deuxième étape de mutation. Et quand on aura fini, bah on se barrera et on fera autre chose. Yeah. Oui. En vrai, c'est facile hein, quand vous avez compris la logique. C'est pas si compliqué en fait. Hein. Oh putain. Enfin, je dis ça. Mais... Merde. Qu'est-ce que je fais moi avec mes trucs là maintenant? Ah merde. Merde. J'en ai beaucoup trop dédoublé là, attends. Alors attends. Alors. C'est pas ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On dédouble. Et voilà. Yo, c'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est qui le papa? Et voilà, séquence 2 complète. Youh, séquence 3. Et on va s'arrêter là. Et nous revoici sur l'écran d'accueil. Donc c'était Splice sur PC. Alors je savais pas à quoi m'attendre. Ça me semblait bizarre. En tout cas, il était bien noté. Donc il est disponible sur Steam. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager cette vidéo, à partager ma chaîne si vous voulez vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos de ce bah de jeu. Voilà. De plein de styles de jeu. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut !